Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends aujourd'hui. On est quel jour là? On est mercredi 24 janvier et il est midi et demi. Donc là, on va manger. Et après, il y a Ima et Brian qui ont un tournoi d'échecs. Bonjour Lucie. Lucie, elle essaye de couper son pain. Mais en fait, pour Lucie, Brian et moi, ça va être des restes d'hier. Parce qu'il reste des pâtes carbo. Ima, elle en veut pas. Ima, elle veut se manger un petit sandwich léger, elle m'a dit. Hein. Hein, c'est ça, Michel, il a dit léger parce que pour le tournoi, voilà, faut pas manger trop lourd. Donc du coup, elle va se faire ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà, et moi aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire. Donc logiquement, c'est Ludo qui dépose les enfants au palais machin là, aux échecs. Et moi, je vais aller cet après-midi, je vais faire mes trucs parce que j'ai quand même des choses à faire ici, donc. Faut que j'avance, donc j'irai la voir entre deux avant les résultats. Enfin, la voir, ouais, les voir. C'est parce que Brian il s'est inscrit, mais hein, Brian, il a lâché l'affaire un petit peu sur les échecs. Mais ce matin, ils se sont bien entraînés quand même. Ah, Brian, t'as gagné en fait? Ouais, 100. Bien, et en plus, voilà, bref. Donc, ils sont encore entraînés. Là, ils prennent des forces, et ensuite, on y va, on les ramène. Donc non, je disais, normalement c'est Ludo qui les ramène, mais à voir si j'irai pas avec lui pour faire 2-3 courses en même temps. Je sais pas, on verra. Allez, je vous laisse, je leur donne à manger parce que là ça va aller vite. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Manger ton gâteau, bah ouais. Alors Ima? Okay. Et Brian, parti? Ouais. Stressé, Ima? Non. Non, ouais, non, un petit peu. Si, moi vraiment un petit peu. Bon, regarde, je reprends là, il est 14h30, donc ça y en a déposé les enfants à l'école, à l'école, n'importe quoi, aux échecs, et top, parce que bah, j'étais un peu deg quoi, de pas rester, mais franchement, faut que j'avance ici, là, déjà dans leur chambre et tout, et franchement, c'est top, parce qu'en fait, ils font un live sur Facebook. Donc en fait là j'ai Emma qui est là, je vais vous montrer, je vais tourner la caméra. J'ai Emma qui est là, Brian je le vois pas, je vois un gamin là-bas mais je suis pas sûre que c'est lui, donc voilà, on verra. Mais franchement c'est bien, comme ça je peux suivre un petit peu. Et là je sais pas, là elle est en train de jouer, je sais pas si je sais pas le niveau des pions. Ah c'est kiff kiff, il y a 5 minutes elle avait moins de pions, mais bon ça moi je comprends rien, je sais que même avec 2 pions on peut gagner, donc voilà. Et je vous montre, je tourne la caméra et je vous montre. Du coup, voilà comment ça se présente. Et franchement, le calme avec tous les enfants, c'est un truc, c'est étonnant. On entend juste le clic-clic des machines. Bon, là, après, quand il y a les enfants qui bougent, ceux qu'ils ont perdu, bah, ils s'en vont. Et en fait, là, bon, là, après, ça fait un petit peu le zouk. Mais voilà. Emma, du coup, elle est là. Je vais flouter les enfants après. Si on les voit pas, on les reconnaît pas, donc voilà. Mais Emma, elle est juste là, ici. Ça, c'est Emma. Allez, mon bébé, elle va gagner. Et Brian, bah, je sais pas, je le vois pas. Donc, je disais, Brian, je le vois pas là, mais oh, je suis contente. Franchement, c'est top. Donc là, je vais laisser tourner. En attendant, en même temps, je vais faire la chambre. Alors, le but d'aujourd'hui, c'est essayer de faire les étagères. Bon, par contre, j'ai pas peint à l'intérieur. Donc, tant pis, ça, je le ferai plus tard. Bref, rajouter la déco, donc c'est parti. Alors, tout en regardant Emma, franchement, je suis trop contente. J'espère juste que ça va pas couper. Mais voilà, c'est un peu ce qu'ils font, au moins on peut les suivre. Mais là, ça va être compliqué pour. Bah, je parle d'Emma parce que je vous dis, Brian, il y va parce que voilà, ça, il aime bien, mais il s'en fout s'il gagne ou pas. Mais Emma, elle est en stress. Et en fait, c'est un tournoi des écoles du Nord. Donc, il y a Lille, il y a Hasbrouck, il y a pas mal d'écoles. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de monde, parce que d'habitude, franchement, c'est blindé. La salle, elle est remplie. Et là, il y a une centaine de joueurs, apparemment. Une centaine de personnes. Et en fait, je regarde en même temps. Elle n'a plus beaucoup de pions, je crois. Hein. Je sais pas si c'est les blancs. Ouais, allez, les blancs. Enfin, bref. Du coup, il y a un classement individuel et un classement. Qui sera demain, je pense, en ligne, par école. Mais nous, ils ne sont pas beaucoup de l'école, c'est dommage, parce qu'ils sont 8, en fait, ils font ça ici à l'école, ils jouent aux échecs. Ils ont des cours d'échecs à l'école, franchement, c'est top. C'est top. Et voilà, là, ça va être compliqué pour Emma d'arriver
d'arriver dans les coupes, surtout qu'il n'y a pas longtemps, elle avait lâché l'affaire au niveau de l'entraînement, donc elle n'est pas trop entraînée. Elle a été hier à l'entraînement et elle s'est entraînée hier et ce matin, mais bon, on verra bien. On verra bien. Voilà, là, elle est là-bas, elle est tranquille. Moi, je suis pas là. Au moins, quelque part, je peux pas la stresser. Parce que moi, je suis stressée moi aussi. Du coup, je vais lui renvoyer mon stress. Donc là, au moins, je peux envoyer. Là, elle est toujours en jeu. Les tables, elles se vident. Attendez, je vais retourner la caméra. Donc là, vous voyez, il y a les tables. Celle-là, non, il n'y a pas de joueur sur celle-ci. Mais vous voyez, après là-bas. Là-bas, enfin, les tables, elles se vident assez rapidement. En fait, des fois, les parties, elles vont super vite. Mais quand ça dure, c'est bien aussi. Ça veut dire que, voilà, là, Emma, elle dure un petit peu. Donc, top. Il n'y a pas... C'est top. Mais moi, je ne comprends rien du tout. Après, je vois qu'elle a moins de jetons que l'autre. L'autre enfant, mais... Ah, non. Ouais, je sais pas. Bref, bon, allez. Je vais laisser, je vais m'activer parce que ça va aller vite, il y a déjà 2 heures et la remise des coupes, je crois, c'est vers 17h, 17h30. Bon, il y a Emma qui est là et je crois que le gamin lui reste plus qu'un pion. On voit mieux aussi. Oui. Bon, du coup là, c'est fini. Donc, à mon avis, pour moi, elle aurait gagné. Mais je suis pas sûre. Pour moi, elle a gagné, le gamin lui reste plus qu'un pion. Mais l'arbitre, il vient voir, il vient contrôler en fait. Donc voilà. Donc là, ils doivent remettre leur pion et attendre la prochaine partie. Normalement, et je dis bien normalement, elle devrait m'appeler entre les parties. Parce qu'elle a pris son téléphone avec. Donc entre les parties, si elle peut, si elle a le temps, elle m'appelle. Mais vous voyez, toutes les tables là-bas sont vides. Elle vient de terminer. Franchement, c'est top, 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 top. Elle joue trop, trop bien. Et Brian, du coup, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Bon, on le verra sûrement dans la prochaine partie. Il est 16h05. Je me prépare vite fait et je vais aller voir jusque les échecs, voir où ça en est. Comme ça, je vais rester un petit peu avec eux. Ils seront contents. Comme je sais pas trop à quelle heure ça finit, je préfère y aller maintenant. À mon avis, ça va être vers 17h, 17h30. Mais bon, je préfère y aller maintenant. Du coup, j'aurais pas beaucoup avancé là-haut. Je vous ai pas montré. Enfin, si vous avez vu, j'ai mis le sticker. Ensuite, j'ai mis le miroir sur le mur et j'ai quand même mis un petit coup de peinture dans l'encadrement, là, mais vraiment vite fait une petite couche à l'arrache. Et voilà, c'est tout. Franchement, aujourd'hui, je pense que je n'aurai pas le temps de faire grand-chose, mais bon, c'est déjà ça de fait. Donc, c'est parti, je vais aller les voir. J'espère que je pourrai filmer parce que là, en fait, j'ai pas énormément de batterie. Bonjour à tous, donc là, on vient de rentrer, il est 18h16. Tout de suite, on enchaîne pour faire à manger. Ludo, il va faire une purée maison. Ah! Une purée maison avec dedans des œufs, de la crème fraîche, gruyère et des jambons. On va manger ça ce soir. Il fait ça et ensuite il fait tout gratiner au four. Donc top. Là, je vais l'aider pour éplucher les pommes de terre. Et ensuite, lui, il fera le reste. Et Brian, il va aller se doucher après Emma. Et on enchaîne. Et je vous montre après la chambre. Si, galette des rois. Alors. Moi, j'aurais quatre. Bon, j'ai pas coupé dans la fève déjà, c'est déjà pas mal. Non. Allez, on va appeler Non, tout moi, le monde et on va j'aurais manger la galette. quatre. 4? Le Oui. numéro 4? Oui, j'ai un trou dedans. Alors, on commence par où alors? Bon, 4 là. Alors, on commence par là? Ouais. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est une grande. Oui. Là, je la voulais en plus. C'est une grande part. Tu manges et on verra si t'as la fève après. Emma? Allez. Allez! Vas-y. Brian? Oui, pas les filles, non? Pose-moi ce téléphone! Non! Si. Eh ben voilà, comme ça c'est réglé! Ok? Pourquoi moi? C'est à moi, touche pas! Ben ça c'est réglé, hein?
Et tu veux une part? Ah, c'est pas pour toi, c'est Aïma. Arrête. C'est Aïma. C'est à moi. C'est quoi ta fève? Faut la laver. Comment? Elle est vilaine. Hé, stop. Il a fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La elle même... est là? La même. Non. Mais si, elle l'a eu. T'es la reine. Moi, je suis la reine. Il y a deux reines. C'est pas des reines, c'est des princesses, ah ouais? Oui. C'est sûr tu l'as? Moi, je l'ai pas vue. C'est une fosse. Elle est où? Ah ouais! Là, c'est une fosse. T'es contente? Ah ouais, c'est une fosse. Bah oui, il y avait deux galettes. Ah, ouais. Ah, c'est pas les mêmes! Il y avait deux galettes. C'est pas les mêmes, ouais. En plus! C'est le démon, là, Regarde. Hey! Donc voilà mes petites princesses avec leurs nouvelles. J'ai mis 2-3 bricoles en déco. Du coup, ici, j'ai mis les cadres Reine des Neiges qui avaient. On les avait déjà, mais je les avais jamais mis. Et du coup, bah là, ça sort bien sur le mur. Il y a Lucie là sur son petit matelas, mon bébé. Et oui, en attendant ton nouveau lit, ah ouais? Ouais. Ici, du coup, bah, il y a le lit à Emma aussi. Là, j'ai mis leur portant, mais ce qu'il y a là-bas, comme vous le savez, ça va aller là. Donc voilà, j'ai fait vraiment un petit coup de peinture à l'arrache, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a la guitare à Emma. Hein? Ouais, on verra. Attends. Ici, du coup, j'avais préparé leur cuisine pour leur monter, mais elle va pas aller là. Elle va aller là. Parce que là, en dessous, par la suite, je vais mettre une commode. Ensuite, il y a leur miroir ici, Jamie, avec des lumières tout autour que j'ai pas. Salut, moi. Salut. Ici, du coup, il y a l'arc-en-ciel à barrette. Et ici, en fait, là-haut, ça fait vide. Donc, du coup, je vais essayer de trouver quelque chose pour mettre là. Ici, il y a rien qui a changé, à part le bureau qui est un petit peu débarrassé. Mais voilà, il y a toujours leur cadre. Il y a le beauty ici, donc leur panneau lumineux. Ici, donc ici, vous avez l'œil hein, que je vous ai fait voir. Et là, tout à l'heure, on a rajouté le cœur que je vous avais déjà montré dans la vidéo haul avec les photos de Emma. Enfin, c'est Emma qui a choisi les photos, donc voilà. Et son petit chat qui vient du Japon. C'est mes beaux-parents qui l'avaient ramené à Emma, mais elle était petite, c'est une tirelire. Et voilà, c'est tout. Hein. Après, là, ici, c'est la couverture que j'ai mis dedans. Ici, c'est le reste de la déco. Et voilà quoi. Ah, il s'est décollé. Non. Pourquoi qu'il se décolle? Faut mettre de la colle. Bah n'importe quoi. On va pas mettre de la colle forte sur le mur. Oh, j'espère qu'il va tenir, hein, non hein. Faudrait pas que ça se décolle. Ouais, hein. Ah, c'est ça, ouais. Là, je vais aller me coucher. Enfin, d'abord, je vais prendre ma douche. Bonne nuit, Lucie. À demain. Demain, la photo de classe. Ah ouais? Emma, t'as fini? Allez. Oh, peut-être par terre. Il est pas mal. Je vais vous montrer, tiens, ce que ça donne, état. Donc voilà, quoi. Ils ont une petite lumière ici, du coup le miroir qui est allumé, on voit pas bien. Attends, je vais éteindre le flash, ce sera peut-être mieux, ouais. Donc voilà, le miroir allumé, franchement j'ai trouvé l'idée tout à l'heure, j'avais vu ces petites loupiottes là et j'ai dit tiens je vais mettre là. Et le beauty qui a toujours du mal avec le téléphone. Emma, petit panda. On va aller se coucher. Et là, j'ai aussi un truc à rajouter. Enfin, bref. Je vous montre tout ça. Soit demain, soit après-demain. Hein, ouais. D'accord? On verra. T'as compris? Oui. Allez, bonne nuit. Fais des bisous. Lucie, tu fais un bisou? Elle est où? Bah, elle est où, Lucie? Bah, elle est où? Elle est cachée? Allez. Et donc du coup là je reprends, il est 22h06, il y a les filles, tout le monde voilà, a pris sa douche etc. Ensuite comme vous avez vu, on a mangé, d'ailleurs j'ai même pas pensé à vous montrer, ça aussi ce serait une idée de recette que je pourrais vous faire voir. C'est rapide et pas trop cher franchement, c'est mon conjoint Ludo, il a fait de la purée maison. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, avec des dés de jambon et tout dedans, franchement c'est trop bon, ça passe bien. Après il le fait gratiner au four. Et franchement, c'est très très bon. D'ailleurs, ça faisait pardon, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Et ouais, très bon. Donc, on s'est régalé. Et ensuite, j'ai fait la galette
Donc, il y en avait deux, là, les galettes des rois. Et c'est Emma et Lucie qui ont eu la fève. Donc, elles étaient contentes. Nickel, ils n'ont pas fait la tronche. Ensuite, du coup, je suis allé en haut vite fait dans leur chambre là, pour débarrasser un petit peu le bureau, etc. Mais en même temps, je vous ai filmé, je les ai couchés et tout. Franchement, je suis contente. Ah ouais, ça donne bien. C'est pas fini, j'attends le lit et tout. J'ai pas encore fini, hein. Il y a encore des choses à mettre, mais bon. Ça avance un petit peu à la fois. Demain, Ludo, il va me couper les étagères à la bonne taille. Donc, je ne sais pas encore combien je vais en mettre. Je pense que je vais en mettre, je sais pas, deux. Je vais peut-être en mettre que deux. Deux. Ouais, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir ça demain. Je sais pas encore. On va. Il faut que je vois le niveau de la hauteur, etc. Parce qu'après, il y aura la barre pour mettre les cintres dessus. Donc voilà, on verra. Ensuite, pareil, devant, je vais mettre un rideau et tout. Il y a encore le truc à la fenêtre. Enfin, j'ai encore pas mal de trucs à faire, mais voilà. Un petit peu à la fois. Demain. Donc demain, c'est boulot. Ensuite, j'espère que je ne vais pas être trop fatigué. Là, il est déjà 10h10. Je suis claqué. Donc boulot. Je rentre du boulot. Mon avis, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Déjà, manger un morceau. Et ensuite, attaquer tout de suite ces étagères. Comme ça ce sera chose faite. J'ai ça à faire. Les vêtements, du coup, aussi. Là, franchement, j'avais enchaîné dans les machines et tout. J'étais presque à jour. Et là, c'est rebelote. Je suis allé dans la salle de bain tout à l'heure, mais wow, il y a un truc plein de là. Je sais pas comment ils font. En 2 jours, ils me. Je sais pas. Bref, voilà, c'est tout. Donc, ça aussi, je vais mettre à jour avec Ludo. Ludo, il m'a dit demain, il va ranger la maison et tout ça demain matin. Donc, ça va m'avancer. Top. Et voilà, bref. Des petites bricoles à faire, mais j'essaie de vous filmer demain, donc comme d'hab, vu que c'est le boulot. Là, j'avais pas filmé depuis un moment, mais franchement, j'étais KO, j'avais pas le temps. Voilà, donc je suis désolé, mais là, c'est bon. Là, j'ai filmé aujourd'hui, je suis contente. En plus, on a fait pas mal de choses, du coup, on est allé aux échecs et tout, franchement, top. Mais là, je vais aller me coucher, je sais même plus ce que je disais en plus. Ouais, bref, voilà. De toute façon, je vous prends demain. Je vous prends demain et je vous montre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la chambre. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!